Salut à tous et à toutes, ici Desna, donc j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, ben, je vous montre un peu un petit gameplay en arrière-plan, comme ça, pour le fun. Et aussi pour un peu vous parler de tout et de rien, parce que je trouve ça génial de pouvoir m'amuser à faire ce genre de petits idées, de petites idées. En fait, le principe de cette idée-là, c'est simple, c'est que je vais tout simplement faire des vidéos sur mon smartphone, mais je vais faire bien sûr le montage comme vous voyez là, parce qu'en fait pour ça il faut faire le montage pour faire un arrêt, parce que sinon de base vous savez ben l'écran ben ça filme en lignée horizontale verticale comme vous le voyez là. Du coup c'est pas terrible comme qualité. C'est pas ouf du tout pour un. C'est pas ouf du tout quoi. C'est pas beau. On verrait un écran noir, ce serait hideux. Enfin, je sais pas, ce serait pas très stylé et pas très pro. Donc, l'idée en fait, c'est de dupliquer la vidéo, le truc. Et de mettre. Et de faire un 16/9 pour recadrer en arrière-plan pour que derrière on voit l'image, mais en flou. Ça fait plus propre. Donc du coup c'est ce que j'ai fait pour vous montrer, pour juste partager comme ça un petit gameplay pour le plaisir et pour aussi un peu vous parler pour tout et rien en fait. C'est simple en fait si vous voulez. Ici on est à la période de, pardon, excusez-moi, on est à la période de Noël. Donc déjà je vous souhaite un joyeux Noël à tous et à toutes. J'espère que vous aurez plein de cadeaux, etc. Et aussi, ben, on va bientôt arriver aussi à la nouvelle année en 2020. J'espère que j'aurai pas mal de monde. Et en fait, j'ai des petites choses à dire parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai rejoint, enfin, j'étais déjà sur ce logiciel, sur cette application. Ça s'appelle Aminos, Animo. Enfin, je sais pas comment ça se prononce exactement. Si vous voyez c'est quoi comme application, en fait, si vous voulez, cette application, c'est assez spécial. J'ai trouvé le concept très intéressant. Pourquoi? Parce que en quelques jours, j'ai gagné au moins 22 abonnés. Alors que habituellement, ça prend beaucoup de temps. Là, tout le monde s'amène. Parce que j'ai publié. Mais c'est sur la version Fury, hein, par contre. C'est sur la Minos Fury. Mais si vous voulez, sur le store, j'ai récupéré celle où il y a la version English Fury, Aminos, ou Animo, Animo, enfin, je sais pas comment ça se prononce, je m'en excuse d'avance. On va dire Animos, au pire, on s'en fout. C'est pas très grave en soi. Et si vous voulez, j'ai publié mes dessins, donc 50. Donc j'ai fait une galerie, j'ai publié aussi mes vidéos speed paint, mes vidéos speed painting. J'ai publié beaucoup de choses en fait, et même mon Twitter, etc. Et j'ai gagné beaucoup d'abonnés en quelques jours. Je veux dire, c'est le site auquel j'ai gagné le plus vite d'abonnés jusqu'à maintenant. C'est hallucinant. À part ça, il y a aussi le fait que ben, je trouve que tout simplement, c'est bien. C'est un bon concept. C'est un bon choix. Techniquement, en soi. C'est bien trouvé. Je voulais aussi vous dire joyeux. Enfin, pas joyeux, mais bonne année aussi. D'avance. Au cas où, si je fais pas de vidéo, ben, je vous souhaite déjà bonne année d'avance. Et comme vous avez vu, j'ai repris tout simplement j'ai repris les vidéos speed painting, comme vous avez remarqué. Et j'espère que ça vous plaît, j'en ferai d'autres bien sûr. Après, comme je regarde sur mon truc, je vais pas peut-être faire les 20 minutes. Parce que c'est vrai que c'est tentant, mais je vais pas faire les 20 minutes de trucs, parce que en vrai techniquement ça dure 18 20 minutes mon gameplay, 17 minutes il me semble au exact, et faire du dialogue pendant 17 minutes ça va être compliqué parce que j'ai pas d'autres idées.
Là, je vous partage un peu, c'est du roue libre, hein. C'est vraiment du mode roue libre à fond. Il n'y a pas de texte, allez, il n'y a pas de texte fait dans le truc. Je veux dire, c'est du libre, quoi. Il n'y a pas de texte. J'ai pas fait de texte pour parler et tout. C'est vraiment ultra libre. Parce que ça, je préfère l'avoir. Parce que ça me ferait trop chier de devoir commencer à faire du texte pour parler. Ça m'énerverait plus qu'autre chose. Parce que j'ai pas que ça. Enfin, c'est surtout que j'ai pas d'idée de texte. Donc, je préfère que ça vienne tout seul. Et comme je suis une bablute de base, ben, ça va. Il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Il suffit juste de me lancer et c'est bon. Donc, c'est tout. Comme vous voyez, en fait, aussi en même temps, du coup, en parlant de ça, bah, j'ai testé de retour Pokémon, la version Pokémon, comment ça s'appelle? Pokémon Rumble. Il y a un problème avec ce jeu, c'est que je ne peux pas récupérer mon compte associé que j'avais associé avec ma Samsung Galaxy Tab S3. Je peux pas, j'ai même dissocié pour recommencer au pire une partie parce que j'étais pas hyper loin, donc ça va, je pouvais très bien recommencer. Et du coup, en fait, non, même pas, je peux même pas. Le truc nous dit comme quoi il y a déjà un compte lié. Et du coup, je peux pas du tout l'associer. Ils veulent que je recrée un compte. Un compte, oh, fait chier. Ils veulent que je recrée un compte Nintendo pour pouvoir re-associer à le compte Pokémon Rumble. Alors j'aurais dit de bien se faire plumer, tant pis. Là du coup j'y joue en local, entre guillemets en local. Donc ça veut dire que si au cas où je désinstalle l'application, ben je perds tout la sauvegarde. C'est pas grave, c'est comme dans l'ancien temps avec la GameCube et tout ça, la PlayStation 1, la PlayStation 2, la PlayStation 3. Ben, enfin, surtout les trois premières que j'ai dit. Enfin, toutes les consoles où t'avais des sauvegardes dans la console et que si tu perdais la console ou que... En bref, c'était pas sauvegardé en ligne. Donc du coup, ben, si tu perds la console ou tu perds la carte mémoire, ben, tu perds tout. Et ben là, on est de retour à ce mode-là. Je me suis dit, au pire, jusqu'à maintenant... Ah, pardon. Je risque de l'avoir souvent, ces bugs-là. Au pire, jusqu'à maintenant... Sincèrement, j'ai jamais eu de problème avec mon Xperia, parce que c'est sur un Xperia que je fais ces vidéos-là. La musique et tout ça, je l'ai pas mis parce que c'est chiant, la qualité est pourrie, parce que c'est en fait, c'est si vous voulez, les logiciels qui permettent de faire des captures recording sur les smartphones Android, le problème c'est que en fait, ils enregistrent vie au micro externe du smartphone. Du coup, la qualité est pas ouf. Puisque ça enregistre le son de l'haut-parleur dans le micro de l'appareil. Et c'est pas ouf. C'est mieux qu'il se serait enregistré à un canal externe. Enfin, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Du coup, c'est de la merde. La qualité est pourrie. Mais de toute façon, j'ai regardé. Il y a carrément un décalage. C'est même ça le pire. Et j'ai pas compris pourquoi. Et comme ici, sincèrement, on s'en fiche. Puisque de toute façon, je vais pas me casser la tête. Je vais pas recommencer de partie. Du tout. Enfin, je veux dire, si je désinstalle le jeu, je ne réinstallerai plus du tout. Parce que je sais que ici, c'est décidé, je vais y jouer en hors ligne. Et si le jour où il y a un souci avec mon Xperia ou quoi, ben tant pis, je perds tout, quoi. C'est tout, je vais pas me casser plus le cul que ça. Sinon, jusqu'à maintenant, ben ça va, pour le moment, du coup, j'ai rien perdu. Et jusqu'à maintenant, j'ai pas vraiment eu de problème avec mon appareil. Mon Xperia X fonctionne très bien. Le problème avec le Xperia X, c'est le processeur qui surchauffe assez vite. Mais sinon, à part ça va. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Je réfléchis un peu. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bon, ben voilà, hein, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Hein. J'ai dit ce que j'avais le plus important, je pense. J'ai un casque maintenant aussi que j'ai récupéré. Donc ça me permettra, c'est un bon casque. C'est un casque de la marque... Iris, attendez, je vous dis ça tout de suite. Je vois rien. Ouais, c'est ça.
Stilzerie. Ça s'appelle Stilzerie. Je sais pas si vous connaissez Stilzerie. Donc c'est une marque. Tout simplement, c'est une marque qui est très connue. Enfin, je sais pas si c'est très connu, c'est sur Xbox One en fait. Excusez-moi, j'ai mon chat qui vient de casser les pieds à ce moment-là. Mais voilà, je pense qu'on va terminer ici parce que j'ai mon espèce de ronron qui me demande des câlins. Hein, mon bébé? Donc, je vous dis un joyeux Noël et bonne fête. Et portez-vous bien surtout. Et je vais garder la suite du gameplay pour d'autres vidéos, pour d'autres dialogues, etc. Portez-vous bien, c'était Desna. Bye bye.